Pierre Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Ouais. Vous êtes botaniste et coordinateur de PlanteNet, je l'ai dit. Alors, la différence entre une plante endémique et une plante exotique? Donc, les plantes endémiques sont des plantes qui se développent essentiellement sur des territoires plus ou moins importants. Et tandis que des plantes exotiques sont pour ce même territoire des plantes qui ne s'y développent pas spontanément et qui ont été importées, souvent par l'activité humaine. Et la Nouvelle-Calédonie est un territoire parmi les plus riches en nombre d'espèces endémiques d'un petit territoire et d'une région très originale. Alors, vous avez participé à cette application mobile? Donc, je suis coordinateur depuis 2009 de ce programme de recherche qui a eu plusieurs productions, dont une application mobile du même nom, dédiée à la reconnaissance des plantes par analyse de contenu visuel, analyse de photos automatisée. Et c'est né comment, cette idée-là, rapidement? C'est lié à la rencontre entre deux personnes, deux laboratoires, deux compétences, que sont un chercheur en botanique tropicale et une chercheuse en informatique, en fouille de données visuelles. Alors, 2400 plantes endémiques dans l'application. Il y en a 3400 en Calédonie. Il en reste 1000 à trouver. Voilà, il reste au moins 1000 espèces à couvrir à travers cette application, c'est-à-dire à illustrer. Voilà, avec des photos. Voilà, grâce à des contributions que le réseau d'Endemia et ses partenaires a jusque-là structuré à l'échelle de 2400 espèces. Et donc, on vise à couvrir un plus grand nombre d'espèces pour permettre à cette application de faciliter l'identification de l'ensemble de ces espèces. Et si nous, on en trouve, on peut vous le dire, on peut contribuer en réseau comme ça? C'est une application qui s'appuie sur une démarche de science participative où les usagers peuvent se trouver contributeurs et donc on encourage les usagers à s'authentifier et à contribuer à cette démarche en partageant leurs observations. Alors on a noté qu'il y avait plus d'une centaine de plantes sur la liste rouge. Ça veut dire quoi cette liste rouge? Donc c'est des espèces qui ont sur lesquelles on évalue les menaces qui pèsent et donc il y a une évaluation fine selon la prise en compte de différents critères et donc le nombre d'espèces menacées en Nouvelle-Calédonie est important bien que toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie n'aient pas encore été évaluées. Alors vous êtes botaniste, on l'a dit. Ces données vont servir à qui? À des botanistes comme vous ou au grand public, à tout le monde? À qui? L'atout de cette plateforme, c'est que finalement, les données agrégées, elles sont utilisées par une multitude d'acteurs, des utilisateurs, des personnes de la société civile, des éducateurs, des enseignants, mais aussi des chercheurs qui vont tirer profit des données produites à travers cette infrastructure. Et au niveau international, ça peut avoir aussi une dimension? Alors ces données-là sont... une partie des données produites sont régulièrement partagées avec la communauté scientifique internationale pour contribuer à des travaux de recherche sur la modélisation de la distribution des plantes, sur les classifications automatisées d'espèces, etc. Pour terminer, est-ce qu'on a connaissance, Pierre Bonnet, d'une plante endémique qui aurait disparu ces dernières années? Alors, c'est vrai qu'à ma connaissance, je ne peux pas vous en question préciser une. Hein. Tout à fait. Je sais que j'ai tout un réseau de partenaires et de spécialistes de la flore néo-calédonienne qui sera même de mieux répondre que moi sur ce point. Mais je ne préférerais pas m'engager pour eux et surtout pas dire de bêtises. Hein. En tout cas, merci Pierre Bonnet pour être venu ce soir pour la deuxième fois en Calédonie. Hein. Oui, peut-être merci trois, beaucoup. Vous m'avez dit. Hein. Oui. Merci encore. Merci.